Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui encore une fois, petite vidéo confinement sur un sujet qui va évoquer un détail qu'on n'évoque pas assez à mes yeux. Vous savez aujourd'hui, avant un couple, pendant le couple, il y a quelque chose, un détail qu'on sous-estime, dans lequel on ne met pas assez d'importance, dans lequel on ne se concentre pas assez, et pourtant c'est parfois à cause de lui qu'il y a une séparation, et parfois à cause de lui qu'il y a une incompréhension. Vous pouvez être deux personnes dans le couple qui sont deux bonnes personnes. Vous pouvez être de bonnes personnes qui s'aiment, avec chacun un objectif en commun, avec chacun qui a tout pour l'autre, mais ça va pas passer. C'est triste. Tu te dis, mais pourquoi au fond? Pourquoi est-ce que ça passerait pas entre deux personnes qui ont tout pour l'autre au final, qui ont le même objectif, la même vision de la vie, qui s'aiment? C'est simplement, malheureusement, quand le vécu d'un des deux, ou encore pire, des deux, fait que ça ne peut pas tenir. Ça peut transformer toute situation en problème. Quand le vécu a un impact dans la relation, à ne jamais se dire, avant de commencer la relation, c'est qu'un détail, pas besoin d'en parler. Il est pour moi, en tout cas, très très important de parler à ce qui pourrait nuire au couple. Vous savez, il y a des vécus qui font qu'une personne, dans la relation de couple, aura besoin d'aide. Quand je dis elle aura besoin d'aide, c'est qu'elle aura besoin d'être comprise. Si cette personne ne l'est pas, ça peut tout transformer. Les réactions peuvent changer. Mais de l'autre côté, s'il y a l'ignorance du problème, comment pouvoir le résoudre? Ça a l'air tout bête, dit comme ça. Et je pense que là, déjà rien que là, une grande partie d'entre vous se reconnaîtront. Quand tu fais tout pour aider, mais qu'au final, tu détruis. Et quand la personne que tu détruis se sent incompris, à ses yeux, elle voit cette relation comme quelque chose qui pourrait la soigner par une personne qui parfois, et là on avance sur un deuxième truc très dangereux, qui parfois est comme elle. À son tour, il est là aussi pour être soigné. Et quand deux personnes sont malades, quand deux personnes ont un traumatisme, quand deux personnes ont besoin que l'autre le soigne, et ben les deux se détruisent. Je parle du cas où les deux personnes ne peuvent pas sauver l'autre, parce que ces deux personnes sont malades. Quand je dis « sont malades », on ne parle pas d'une grippe. Quand je dis « sont malades », c'est qu'il y a un vécu qui fait que parfois, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas recevoir. Parfois, il y a des choses où la réaction est tout le temps similaire. C'est comme si tu avais une plaie. Et dès qu'on appuyait dessus, tu ne pouvais pas faire semblant de ne pas avoir mal. Sauf que si l'autre, il est dans l'ignorance, si l'autre a la même plaie, comment voulez-vous avancer en paix? Comment voulez-vous vous combler, même s'il y a le plus grand amour entre vous? Et tout ça, ça se joue sur les détails du début. Ces détails qui n'en sont pas. Ces moments où beaucoup ont passé le temps à vivre l'amour avant de vivre normalement l'amour, alors que cette étape-là, elle devait servir à se connaître, à savoir qui vous êtes. Il est important de ne pas faire semblant. Le début, bien sûr qu'on veut plaire et bien sûr qu'on a envie d'obtenir la personne qui nous plaît. Beaucoup sont là donc à essayer de mentir et à cacher toutes les failles de leur existence, toute leur personnalité, tout ce qu'ils sont réellement. Ils mettent un masque devant eux jusqu'à ce que la relation débute. Et quand la relation débute, il y a un éveil. La personne ne te voit plus du même visage, elle ne sait même plus qui tu es, parce qu'elle s'est basée sur la personne que tu lui as montrée. Comment voulez-vous que ça puisse continuer au final? Bien sûr que des choses qui ont pu t'arriver dans ta vie ne sont pas à raconter à n'importe qui. Et si tu estimes au fond de toi réellement que certains détails gênants ne doivent pas être racontés, c'est entre toi et toi. Moi, je peux pas aller à la place d'une personne et de son cœur. Mais quand tu estimes que ça a créé celle que tu es ou celui que tu es et que ça a une incidence sur la relation, je pense que avant de la commencer, c'est très important d'en parler. Il faut savoir là où chacun met les pieds. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on essaye d'exposer ce truc-là, cette importance, eh ben, tu auras des gens qui viendront te dire « Non, mais l'amour ne se calcule pas, l'amour, c'est quelque chose de beau, bien sûr !» Mais l'amour, regardez aujourd'hui où on en est. Regardez aujourd'hui l'amour. Bien sûr qu'au début, les gens s'aiment. Et sur quoi l'amour tient réellement? Mais il ne tient à rien quand tu vois vraiment toute personne qui te dise « L'amour fait des miracles ». L'amour fait des miracles quand il y a eu derrière un travail en dehors de l'amour. Et le meilleur des amours, c'est celui qui arrive à être mis de côté quand il faut être honnête et se dire les choses concrètement. Il est là le problème aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup et presque tout le monde va mal sentimentalement. C'est pour ça que beaucoup ont des blocages sentimentalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de vivre une vraie relation, on en arrive à ce que tout le monde puisse parler d'ex.
Ça aussi, c'est un truc, moi, je comprends pas. C'est devenu une mode d'avoir des ex, d'avoir quelque chose qui a échoué. On favorise l'idée qu'il doit y avoir plusieurs couples. On favorise cette idée et c'est devenu presque une mode aujourd'hui. Il y a même des blagues. Mon ex, ceci... Et pourquoi on n'essaye pas de créer l'idée aussi qu'il devrait y avoir une relation qui se construit proprement? Pourquoi on favorise l'échec? À faire entendre aux gens de l'âge enfant à l'âge adulte, mon ex, ceci, ma première relation, ma deuxième, ma troisième, on crée une normalité qui, à mes yeux, n'est pas normale. Et attention, vous pouvez essayer de faire les choses le mieux, rien ne garantit que demain, vous resterez avec la personne éternellement. Peut-être que ça va se terminer, que vous pourrez utiliser le terme ex. Mais ce que je veux dire, faut essayer de bien comprendre ce que je veux dire. Je ne viens pas dire que avoir échoué fait que ça veut dire que vous faites n'importe quoi. Non. Et au contraire, c'est dans l'échec parfois même qu'on avance, on va dire, dans la réussite. C'est quand on est tombé qu'on comprend. Mais pousser les gens à tomber, c'est différent de vouloir faire bien et de tomber, vous comprenez ou pas? Il y a une addition de détails, on pourrait en faire une vidéo, c'est-à-dire ce qui nous pousse avant même de réussir à l'échec. La relation de couple aujourd'hui, elle n'est pas vue comme quelque chose de sérieux. Et on est conditionné à montrer ce qui est important et montrer ce qui n'est pas important. Par exemple, le travail. Très souvent, quand on évoque le travail, on parle d'un travail fixe. L'objectif, c'est d'avoir le CDI, de ne pas bouger. Quand on te parle de relations de couple, on ne parle pas d'un couple où il faut être fixe, où il faut faire attention. Non, on parle des relations du week-end, on parle des relations de vacances, et on évoque les sujets « mon ex, ceci, ceci, cela ». Vous voyez? Quand vous mettez une importance à quelque chose, vous cherchez quelque chose de fixe. Quand vous y mettez du secondaire et de l'amusement, vous en parlez très souvent au pluriel, au passé, au futur, au présent, comme si ta relation dans laquelle tu dois donner ton cœur à quelqu'un, comme si tout ce que tu vas partager de plus cher avec quelqu'un, tu devrais le partager avec tout le monde. Est-ce qu'une personne qui pense comme ça peut être prise au sérieux? Et surtout, est-ce qu'on peut lui donner totalement notre confiance? Et ça nous mène maintenant à un autre sujet qu'on n'abordera pas dans cette vidéo, c'est aussi la confiance. Pourquoi maintenant la confiance se fait de moins en moins? Parce que le monde auquel on accepte ce qui est normal selon beaucoup devient normal selon nous et on se perd dans la solidité de ce qu'on crée. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire un petit peu dans cette vidéo. On est là, on discute tranquille, en ces soirées de confinement. Faites attention à vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.